Hey les amis, bienvenue dans ce tutoriel pour débutants. Donc aujourd'hui, on va apprendre une chanson de Alep Neski. On leur a fait croire, donc 4 accords, une rythmique. Donc vous commencez la guitare, c'est une chanson parfaite pour vous. Ok? Puis ensuite, en fait, je vais vous montrer le B mineur, c'est un accord barré normalement, mais je vais vous montrer une variante que vous pouvez faire pour débutants. Puis à la fin, je vais vous montrer comment jouer le BM en barré si vous voulez le pratiquer. Donc, si vous voulez un cours plus structuré, pour débutants, j'ai un cours complet, un programme complet structuré, vraiment pas cher, de qualité pour vous. Donc, allez voir dans la description du vidéo pour le lien et allez voir quel genre de cours j'ai créé qui est super fascinant. Donc, c'est parti. La rythmique, installez-vous sur un C, j'ai mon capot à la case 1. Sur un C, la rythmique que j'intitule la rythmique populaire, bas, bas, haut, haut, bas, haut, 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 bas, bas, haut. EM B C G EM Donc le B mineur, placez votre premier doigt sur la première corde, deuxième fret, ensuite votre deuxième doigt, deuxième corde, troisième fret, troisième doigt, quatrième corde, quatrième fret, et notre petit doigt, le quatrième doigt sur la troisième corde, quatrième corde. Vous devez jouer juste comme le D, les quatre premières cordes. Donc, tranquillement. Donc, vous pouvez tricher le dernier haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut. On peut tricher et enlever nos doigts. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Ça nous permet de changer l'accord plus rapidement. Vous allez voir que plus que vous avancez en vitesse, ça paraît plus pantoufle. Lentement la rythmique et les accords. Ça va bien aller. Donc, ensemble, on va chanter la chanson lentement. 2, 3, 4. On s'était pas démaquillé, on a mis du fond sur nos joues, on s'était déraciné, on a mis du soir sur nos joues, on s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches, on s'est pourri et bâillonné, on a mis la mort à nos trous. Pa, 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 pa,
Donc, vous avez vu que parfois je faisais le B mineur comme ça ici, mais c'était par habitude. Vous pouvez le faire comme ça si vous êtes débutant. Mais si vous voulez pratiquer, donc on s'installe le barré sur la deuxième fret. Puis je tourne mon doigt pour que ça soit l'os qui barre les cordes. Puis là, je ne barre pas toutes les cordes. La sixième corde, je ne la barre pas. Je viens juste la toucher un petit peu pour la muter quand je vais faire mon barré. Donc, je mets mon doigt sur la deuxième frette. Je tourne mon doigt et je viens installer les mêmes doigts que si j'avais mon doigt tantôt. Ça, il faut un peu de pratique. Installez-vous sur vos cordes. Et pratiquez-le dans l'entrée de l'accord, en progression d'accord, ça va vous aider. Hey les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.